Yo, ici Layercraft pour une nouvelle vidéo, même si c'est la première. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un super piège pour les noobs. Les noobs, c'est les idiots qui jouent dans Minecraft. Les voleurs, quoi. Bon. Vous allez prendre du diamant, une torche de redstone, de la redstone. Et apparemment c'est tout. Voilà, vous allez creuser un trou. Placez ça comme ceci. Voilà, de la redstone. Vous placez votre bloc. Et la torche de redstone. Parce que quand je casse, hop, la redstone s'allume. Alors je reste comme ça. Ah non, j'ai oublié le bloc. Et là je vais mettre une TNT. Ok, non, plein. Même là, là, et là. Ok, bon, on va recouvrir tout ça. Comme ça. Ok. Là, vous avez votre mine. Et là, il y a un voleur qui vient. Il vient ici pour vous voler. Là, bien sûr, vous allez placer plein de TNT autour pour pas qu'il s'échappe. Ensuite, quand il va venir casser, top! Oh, il va voir. Mais c'est temps de courir. Et bam. Il s'est fait péter la cervelle. Voilà, et ça, c'était le premier tuto de piège. Ok, maintenant mon deuxième tuto. Alors là, je vais faire normalement, vous devez le savoir, un piège aussi pour les noobs ou pour les zombies, c'est très efficace. Vous allez creuser autant de trous que vous voudrez, mais comme moi j'ai fait un terrain plat, donc il y a la bedrock en dessous. Et là, je vais placer une TNT là. Un bloc de sable ou n'importe quel bloc si vous voulez, mais le sable c'est mieux, un peu comme la l'ascenseur. Et là je place la plaque de pression, et quand je vais marcher dessus, plaque. Oh merde, et là ça va faire boum. Bien sûr, les noobs, eux, ils vont rester dessus. Ok, ça c'était ceci, c'est la fin de ma vidéo. Et je vous remercie. Et abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez. Au revoir.